Coucou à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous parler des produits que j'utilise en ce moment. Et voilà, je vais vous expliquer les produits que j'aime, puis tout ça. Alors, je vais vous présenter des produits soins, beaucoup de produits soins. Puis, il n'y a pas beaucoup de make-up, mais pas mal plus de produits soins. Alors, on va commencer par... J'ai deux baumes à lèvres à vous montrer. Voilà, je vais vous en parler. J'ai le baume Bioderm. C'est le Bioderm Atoderm Lèvres. C'est pour les lèvres abîmées et desséchées et apaisent les rapports. Voilà. Comme ça, c'est un stick. Là, j'ai les quasiment terminé. J'adore ce... Bon, j'ai quasiment terminé, ben, il en reste ça. Mais c'est pas si pire. Il sent super bon. Il sent la framboise bleue. Là, il sent la framboise. J'adore ce produit-là parce que j'ai les lèvres vraiment secs. Et je l'aime beaucoup. Il coûte... celui-là, il coûte 6$, mais il en vaut vraiment la peine parce que pour les lèvres sèches, c'est bien. Alors, j'ai aussi celui-là de Nivea, le Hydro Soin. Voilà, il se présente comme ceci. Il est bleu. Voilà, c'est un baume à lèvres classique, là, pour les lèvres. Je l'aime beaucoup aussi parce qu'il hydrate mes lèvres. Il fait la même chose que l'autre. Il hydrate les lèvres. C'est juste que lui, il est beaucoup moins cher. Vous venez d'avoir... vous pouvez l'avoir en duo, celui-là, 2 pour 1,50 au Dollarama. Et j'adore beaucoup ce produit. J'adore beaucoup ces produits pour mes lèvres. Ensuite, je vais vous parler de ceci. C'est la marque Lave Clean. Fresh Water. C'est un savon hydratant pour les mains. Il sent super bon. Lui, qu'est-ce qu'il est sans parabène? 98% d'ingrédients végétaux. Hydratation quotidienne pour peau normale à sèche. C'est à 300 ml. Et je l'ai payé 3$ au Dollarama. Mais je l'adore beaucoup, beaucoup. Fait que j'ai le même dans ma salle de bain. Puis j'ai le même dans ma cuisine. Mon chum aussi l'aime beaucoup. Fait que... pour se laver les mains. Ensuite, on va passer avec ma gamme de soins pour le bain. Alors, j'ai la marque... c'est un gel douche de la marque Daily Défense. Il y a aussi les shampoings, l'après-shampoing. Mais ça, je vais vous en revenir avec. Alors, lui, c'est de l'huile de l'argan du Maroc pour peau plus douce et lisse. Fait comme je vous dis, c'est un nettoyant corporel. Moi, là, je suis rendue à moitié. C'est un 946 ml. J'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que je me lave avec ça. Il mousse super bien. Je l'ai acheté au Dollarama pour 3$ aussi. Il y a beaucoup de produits qui viennent du Dollarama, mais... il y en a d'autres que non. Après ça, j'ai cette brosse-là. C'est une brosse à cheveux. Cette petite brosse-là. Les trolls. C'est de la marque Goody Oakless. C'est une brosse qui ne tire pas les cheveux. Fait que pour quelqu'un qui a la tête... les cheveux sensibles, ça ne tire pas les cheveux. C'est agréable à utiliser. On peut l'utiliser à tout. Ben, tiens, moi, je l'utilise à tous les jours, là. Mais j'adore cette brosse-là pour. Vu que j'ai super mal là, aux cheveux, que j'ai la tête sensible, ben, j'adore cette brosse-là. Je l'adore beaucoup, vraiment beaucoup. Ça démêle les nœuds super bien. C'est pas mal ça que j'ai à dire. Je l'ai acheté au Dollarama qui coûtait 4$, mais cette brosse-là vaut plus cher de cette marque-là vaut plus cher au Walmart. Je pense qu'elle est à 13-15$.
Mais il me semble que c'est ça. Ensuite, on a... on va passer... gamme produit pour le corps, tout simplement. Mais ma gamme produit pour le visage. Ici, j'ai mon Olay Fresh Effect. C'est un exfoliant. C'est un exfoliant. Voyons. Un exfoliant. pour... c'est un... Ouais, c'est ça. C'est un... C'est ça. C'est un exfoliant. Puis c'est un nettoyant aussi en même temps. Fait que fais les deux. Fait puis c'est rafraîchissant, revitalise et grâce à des micro-perles exfoliantes. Alors, comme vous pouvez voir, je l'ai quand même pas mal utilisé. Fait que ça vous donne une idée que je suis rendue à moitié. Puis c'est une odeur, tu sais, de fraîcheur. T'as l'impression d'avoir de la fraîcheur sur le visage. C'est un 192 ml. Puis c'est la marque Olay. J'adore beaucoup. Lui, il vient de la pharmacie Jean Coutu, mais vous pouvez l'avoir partout. Ensuite, de la marque Delon. C'est un masque facial au concombre. Et je trouve que ça fait... je l'ai acheté au Dollarama. Lui aussi. Je l'adore beaucoup. 3$ aussi. Fabriqué au Canada. Non testé sur les animaux. La marque Delon ne teste pas sur les animaux. Fait que j'adore beaucoup leurs produits. Le max, c'est un masque d'argile. Enlève naturellement les impuretés et l'excès d'huile des pores. La peau est assez douce. Lisse, propre et revigorée. Fait que dans le fond, il laisse... Fait que dans le fond, il éclaircit la peau. Fait que j'adore beaucoup ce produit-là. Ensuite, bon, on a mon shampoing Elle Shoulder que je vous parle tout le temps. C'est le hydratant, c'est le 380 ml. Lui, je l'ai acheté au Dollarama. C'est mon conjoint qui l'a acheté plutôt au Dollarama. 4$. Mais beaucoup plus cher en pharmacie qui coûte 10$. Tu sais, 7-8$. Il vaut beaucoup plus cher au Walmart, au Jean Coutu, puis tout ça. Et c'est un produit que j'adore pour mes cheveux. Ensuite, bon, on a le nettoyant. On a mon nettoyant facial de la marque Cetaphil. Et c'est pour tout type de peau. Tu peux l'utiliser pour le visage et pour le corps. C'est c'est la formule sensible. C'est un 250 ml. Moi, je l'utilise pour ma peau. Mon visage surtout parce que ma peau, quand habituellement, j'ai la peau mixte à grasse à tendance acnéique. Et ça aide beaucoup l'acné. Et ça aide aussi à la peau sèche. Qu'est-ce que moi, je l'utilise pour ma peau sèche? Parce que moi, là, on le voit pas trop, là, parce que je me lave le visage, là. Mais avec ce produit-là, mais sinon, j'ai la peau qui est graine de rien du tout. Fait que j'ai vraiment de la peau que tu peux écailler comme ça, là. Fait que pour ma peau sèche. Mais j'adore beaucoup ce produit-là. Il coûte 10$, mais le gros format, il est à 15$. Peut tomber en spécial, des fois à 13. Ça dépend des jours, mais j'adore beaucoup ce produit-là. Vous le retrouvez en pharmacie, tout simplement. Ensuite, on a deux parfums. C'est la Viva La Loca, mais j'ai aussi... j'avais acheté le coffret au Dollarama. Et le gel douche, je l'ai terminé et j'adore beaucoup, 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 beaucoup. Il sent hyper, hyper bon. Fait que j'adore. Voilà, il se présente comme ça. Mais il se présente en coffret. Vous avez 4 parfums. Non, ouais, 3 parfums. Vous avez le gel douche et vous avez la crème de douche aussi avec.
me semble que c'est ça, ouais. Après ça, on a un autre parfum. Lui, je l'ai acheté aussi au Dollarama, là, dans un kit à 4$. Et on va passer à ce parfum-là, qui est un de mes préférés. Comme vous pouvez voir, il a beaucoup descendu. C'est la Viva la Las Vegas à la rose. Il sent hyper, hyper bon. Je l'ai acheté au Tic Géant. Vous pouvez acheter deux parfums pour 10$. Et j'avais acheté aussi celui-là, la version, la réplique de Justin Bieber un peu, qui ressemble beaucoup. Mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo pour celui-là. Après ça, pour le bain, vous avez, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo achat. C'est un bain mousse. C'est un lait de bain moussant au lait de chèvre frais. Il sent super bon. De la marque Caprina. Je l'ai acheté au Dollarama aussi, mais il vaut beaucoup plus cher en pharmacie. Il sent super bon. Il laisse la peau douce et l'odeur. C'est une belle petite odeur agréable pour le bain, pour se détendre. J'adore beaucoup. Ensuite, on va parler un peu de maternité un petit peu. Alors, je vais parler de huile pour l'huile soin pour les vergetures. Alors, moi, vu que je suis enceinte, j'ai beaucoup de vergetures. Je pense que vous pouvez en voir un peu ici. J'en ai beaucoup au niveau des seins. Beaucoup au niveau des côtés de la bédaine, dans le fond, les hanches. Et celle-ci, c'est la marque... Elancil Laboratoire. C'est à l'huile de cardame plus onagre et cameline pour les vergetures naissantes. Fait que dans le fond, c'est un spray que vous pichez, ouais, on peut dire ça de même. C'est un 150 ml. Mais moi, je la mets en combo avec la marque Dead Sia Collection Body Oil. Je vais vous la montrer. Voilà, c'est cette bouteille-là que j'ai achetée au Dollarama. Je la combine avec celle-ci. Parce que celle-ci, je trouve qu'elle est pas... elle me démanche. Voilà, elle m'assèche la peau. Et avec celle-ci en combo, ben je trouve que ma peau est plus hydratée. Et je trouve que ça aide beaucoup à diminuer mes vergetures, tout simplement. Et j'adore l'odeur. Alors, c'est un produit qui vaut 4$ au Dollarama. Et c'est un 120 ml. Il sent super bon la noix de coco. J'adore beaucoup. Mais vous pouvez l'utiliser sur la peau. Ça, sur la peau, puis tout ça, puis il vous explique comment l'utiliser à faire des massages circulaires, puis tout ça. Et moi, bon, ben c'est ça, comme je vous dis, je fais le combo, puis j'y mets ensemble pour que ma peau hydrate, parce que celui-ci, la peau m'assèche. Alors, c'est pas mal tout pour la cette non. C'est pas tout pour cette vidéo. Je voulais aussi vous parler de quelques chaînes que je regarde aussi en ce moment. Alors, je regarde la chaîne Nini Beauty. Je sais pas trop comment mettre les liens, mais allez voir sa chaîne, ça en vaut vraiment la peine. Il y a aussi Emily, je pense que ça s'appelle. C'est la Eliminate. Je connais pas trop Eliminate quelque chose, mais c'est une bonne chaîne aussi qui a fait des vidéos avec sa petite cocotte que je trouve super jolie. J'écoute beaucoup de vidéos en ce moment, fait que surtout j'écoute beaucoup de Nini Beauty. Puis beaucoup de chaînes. Mamie Corinne aussi que j'aime beaucoup. Fait que je regarde beaucoup ces vidéos-là. J'adore. Allez voir leur chaîne, abonnez-vous surtout, puis dites-moi dans les commentaires si vous les connaissez aussi, et si vous aimez beaucoup leur chaîne. Moi, je trouve que j'adore leur chaîne, fait que voilà.
Et on se laisse là-dessus. Je fais des gros bisous à tout le monde. Puis merci à mes nouveaux abonnés qui s'abonnent. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!